Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Master of Orion avec les Éléréens. Alors combien de temps il nous reste? 62 tours encore, donc on a le temps. Les tours passent pas si vite que ça, on arrive à faire pas mal de choses dans chaque tour, donc quand même la partie va durer. J'avais un peu peur parce que je me disais 62 tours, c'est vrai qu'on est déjà au 438ème. Après on a eu, surtout en début de partie, je crois que genre les 120 premiers tours ils sont passés super vite. C'est juste après que ça a, qu'on a commencé à prendre de l'Empereur. Oui, mais oui, de l'Empereur. D'ailleurs, je vais recliquer sur ce bouton de graphique parce que je me demande s'il n'y a pas des statistiques dans le temps. Je suis un peu curieux de voir ce que ça aurait donné. Statistiques dans le temps dans ce jeu-là. Bon, ça bombarde, ça détruit, ça explose. On va voir chemin de la victoire. Voilà, chronologie. Ouh, yeah. Pas mal. Si on compare avec les Terranes, ils ont été meilleurs que nous pendant un moment. C'est juste récemment qu'on a vraiment... Regarde sur l'armée. Ouf, on est un peu kiff-kiff tous les deux. Non, je veux pas revenir à un tour précédent dans la partie, ça ira. Bon, par contre, en termes de pop, là on est large, quoi. En termes de colonies... Ah ouais, ils ont eu beaucoup plus de colonies que nous pendant un moment. Et c'est juste après... ça, c'est notre conquête des Gnolames. Qui nous a bien fait augmenter. Et du coup, en termes de PIB, on est loin devant eux aussi. C'est cool tout ça. Waouh, les emplacements. Sur Altair Prime, c'est une belle planète quand même. Taurus Prime, ouais, tu me restes tel quel. Ensuite, donc toi, t'es en train de faire de l'exportation. Je pense que tu vas rester sur ton exportation. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Pour Tarkuta, waouh, 17 tours pour l'interformation idyllique. C'est parce que c'est une grande planète que ça prend tant de temps, peut-être. Ouais, on dirait. Hein. Ok, j'ai pas frère de agrandi encore. Ah oui, il faut que je fasse ça ici, c'est obligatoire. Celui de l'Holocime et la terraformation. On va augmenter notre production énormément, ça va faire du bien. Après, donc l'assistance gouvernementale. Ok. Un petit collisionneur. Suivi d'un Holocime, ça ira très bien. Les batteries de missiles, toujours important. Une base stellaire aussi. Ce qui nous permet de monter à 200 quasiment même. Un port spatial ici, ça c'est bien. On est à plus 21 crédits quand même. Ça va être grâce à toute la pop qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai mes crédits qui montent autant en fait. Hein. Nord.js 2, le port spatial. Ici, on est à 6 de pollution par tour. Donc on va quand même se faire les épurateurs et ce genre de choses. Je vais les mettre en premier. Voilà. Alors sur Madeira Prime, ça va être de la... Ah oui, c'est une belle planète. Donc on va faire un ascenseur spatial pour pouvoir faire ensuite des vaisseaux militaires. Je pense qu'on va faire quelques destroyers. Si j'en fais 5, ça fait 23 tours la production de 5 destroyers quand même. La production n'est pas énorme. Ah oui, mais c'est parce qu'on est ultra pauvre aussi, c'est peut-être pour ça. Mais peut-être qu'avec Madeira qui est abondant, une fois qu'on aura terminé ça, et qu'on aura fait ça et ça, je pense qu'on pourra exporter. On va quand même enchaîner avec ça et ça, et on verra ensuite. Parce que le but, ce sera d'exporter. L'Holocime a été terminé sur Bleucher, donc nickel, t'as plein de choses à faire. La décharge barisphérique, voilà, fait du bien, nickel. Les fermidro, voilà, ça nous fait une bonne production de nourriture. Donc ensuite, on va augmenter notre production tout court. Parfait. La terraformation continue ici. Ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de faire des vaisseaux spatiaux. Cette planète, elle me fait rêver, quoi. Les batteries. Donc, je suis en train de faire le réseau de défense. Et derrière, ici, on va pouvoir produire des... Je pense qu'on va faire quelques destroyers. Merde. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais en faire 5 d'un coup. Voilà. Ensuite, ça c'est bon. Ça c'est bon. Faut arriver à d'un seul coup d'œil, se dire hop, c'est bon, on a regardé tout ce qu'il faut. Ok, donc notre flotte vient d'arriver ici. On va faire une auto-résole. Voilà, merci. Donc, on va aller là. Ensuite, on a aussi cette flotte-là qui attend nos ordres.
On va juste garder bloqué. Alors toi, je sais pas trop où tu vas. J'ai envoyé une usine spatiale pour construire une station ici. Faudra peut-être que j'en construise une autre là, du coup. Mais je veux sécuriser le nord, là, ça me va pas. Oh, la pauvre amibe spatiale. Oh putain. Ça c'est quand même la honte, quoi. T'envoies ta flotte de combat pour lutter contre une bestiole. tu sais les dégâts qu'elle va te faire. À l'avance. Pourtant, tu te rates. Un peu couillon, quand même. Oh là là, cette croissance de population de malade, quoi. Ok. Ok. Ok, donc ici on a fini l'holo simulateur. Ouais, non, on va rester sur la production. Ouais, ça manque de production de nourriture ici. Les champis, obligé. Labo de recherche, obligé. Je vais quand même faire le collisionneur dans la foulée. Et je pense les robots mineurs. Et après, on va faire genre l'holo sim. Ensuite, on a fini l'holo sim ici. Ah ouais, non, ça c'est bien quand même. Collisionneur, robot mineur. Service de trésorerie. Voilà. Ensuite. Ah ouais, quasiment tout a été terminé en même temps dans ce système. C'est quand même cool. Faut quand même qu'on mette en place des défenses anti-aériennes, tout ça, tout ça. On en est où là? Moins de 13. Voilà, décharge barisphérique et le port spatial. Et ensuite, on fera une terraformation. Ensuite, ici, on a fini l'holo sim. J'ai quand même des soucis de gravité. Non, pourtant j'ai... Ah, l'effet de la gravité sur eux n'est pas efficace, mais sur eux, oui. C'est rigolo, ça. C'est toxique par ici, d'ailleurs. Ah non, c'est juste toxique. Je suis con, à chaque fois, je fais la connerie. Non, on va faire le collisionneur, les robots mineurs. Pas vachement mieux. Ensuite, la base de missiles. Ok, on est en train de faire des défenses. Ensuite, ouais, ça, tu peux rester. Ce serait quand même pas mal derrière de faire au moins les champignonnaires et les fermes hydroponiques. Ensuite, service trésorier coloniaux. Parfait, je suis à plus 1 BC, du coup. J'ai l'impression qu'à chaque tour, je gagne un pop dans ce système. Chantier orbital a été fini, donc l'ascenseur spatial, et après, on pourra commencer à produire des vaisseaux ici aussi. Remarquez, hein, j'ai pas non plus une limite. C'est pas non plus illimité, quoi. Ah, Gigas 3, j'ai fait de quoi produire des vaisseaux ici aussi. Gabrilla Prime, non, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est mieux. Et d'ailleurs, ça serait pas mal aussi d'avoir les champignonnaires, et au moins ici, collisionneur dans la foulée. Et service de trésorerie. En 87, je suis large. La base de missiles quand même. Donc Madeira 3, il nous reste 7 tours. Je pourrais presque l'acheter, mais bon, on a le temps. Sonance Prime, tu restes tel quel. Et Near Prime, tu restes tel quel aussi. Alors, quelle est la flotte qui attend les ordres? Vaisseau colonial avancé. Alors, je peux aller continuer à coloniser par ici ou ici. Après, j'irais bien coloniser là aussi, mais le problème, c'est qu'il y a une flotte de défense. Si je peux commencer à coloniser là, au pire. Attendez, c'est quoi ces Bulrati? Juste des croiseurs et des destroyers. Vous n'êtes pas sûr qu'ils s'occupent de ces mecs-là. Le problème, c'est que si j'envoie juste un destroyer, j'ai pas envie d'attendre 4 tours pour les faire. Bon, je peux les acheter au pire. Ouais, vous savez quoi? Si je fais un croiseur, ça coûte combien à l'achat? Ah, 2200 quand même, c'est un peu cher. Non, allez, c'est pas grave, on va aller plutôt par ici. On ira plus tard à Châtre. D'ailleurs, j'ai ça à construire. C'est la grande guerre interstellaire.
qui dure depuis des centaines d'années. Oh yes, brouilleur IEM. Nickel. Un petit ordinateur positronique, nickel. Alors, 11 tours, 7 tours. On va plutôt partir sur les 7 tours. Pendant ce temps-là, ça continue à croître. Oh yes, cette planète, elle commence à me plaire, mais grave. Bon, on va rester en export. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai l'autolab maintenant à faire. Ça améliore tous les labos de recherche. Bon, un petit réseau de sécurité. Ouais, il faut que je garde un œil quand même sur le max de pop. L'arx. Parfait. Transformation idyllique. Superbe. On a 10 sur 13. Va falloir que je fasse les trucs de recherche. On est qu'à moins 4,5. On va faire un petit peu de d'épuration de la pollution. Vite fait, le baraquement de marine, c'est la base stellaire quand même aussi. Et je ferais bien l'usine d'enrichissement du sol quand même derrière. Ensuite, les services de trésorerie, nickel. On a fini de terraformer Fulen 2. Donc là, on reste en export. Ouais. Fulen 2, 24 de prod. On nous fait monter à 94 ici. Mon dieu. Rénovateur, oui, donc ça, tu. Voilà, ça va passer en négatif vite fait. Très rapidement même. L'autostyle, qu'est-ce que c'est? On a un éclaireur qui nous arrive. Ouais, par le nord, on s'en fout. Ok, on est arrivé. Donc. Oh! Avec un cuirassé et tout. On va la jouer celle-là. C'est bien de jouer des combats de temps en temps. Très bien. Alors, on va focaliser nos tirs là-dessus, déjà pour commencer. Maintenant, tirer là-dessus, parce que je pense que là, elle est morte. Voilà, nickel. Ouf, mon croiseur, il a pris cher. Ok, très bien. Commencez à vous attaquer à ça. Parfait. Donc vous, vous allez cibler le gros derrière. Ouh. Les gars qui l'a mangé. Vous allez me focaliser un peu les tirs, les croiseurs sur un saloperie là-bas. Les destroyers, détruisez-moi ça. Waouh, putain, le cuirassé est tombé vite. Parfait. Parfait. Ah, j'adore. Titans, ils sont énormes. La seule chose qui me déçoit un peu avec les aériens, c'est leur, c'est le style graphique de leur vaisseau, quoi. Comment ça, il essaie de fuir? Bah, il a fui. Je suis pas fan, c'est tout. Bon, après, c'est juste un goût personnel. Hein. Bon, on n'a rien perdu. Merci. C'est cool. Vitesse de croyant. Oh oui, dès qu'un maximum des armes, merci. Ah, mais c'est des. c'est des silicoïdes ici. Rigolo ça. Donc, tu vas me faire l'assistance Gouv, les batteries de missiles, la base stellaire. On en est où sur la pollution? Moins 88, on est large. Ah putain, c'est ça qui est trop bien avec le contrôle mental, c'est qu'on garde tout ce qu'il y avait déjà sur place, quoi. C'est énorme. Ce vaisseau colonial, je me le ferais bien, quand même. Après, ouais, on continue la production de vaisseaux coloniaux. Volantis a terminé. Gigas 2, terminé, parfait. Fulen 2 est en plein export, encore. Frère Prime, parfait. Toutes ces unités de population supplémentaires, au final, ce que ça fait, c'est... Bon, d'ailleurs, je suis au max ici. Voilà. D'ailleurs, avec toutes ces... Ouais, j'ai juste l'autolab. Ok. Ça augmente mes thunes, vu que c'est par habitant, la production de crédit.
Et ça augmente ma recherche, quoi. Un truc de fou. Bon, du coup, on est arrivé. Oh yes, on est arrivé, ça y est, enfin. Bon, bah, c'est parti, combat manuel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette flotte au combat. Oh yes. Voyons voir un peu. Ouh. Grosse bestiole en plus. Fire at will. Ouf. Aïe, 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 merde. Bon, ça va, c'est que des. C'est que des frégates qui ciblent. Wow. Énorme. Un beau bébé, comme on dit. Bon, les enfants, vous balancez vos missiles ou... Je crois qu'ils ont déjà balancé. Wow, mes destroyers, ils ont pris cher et tout en plus. Ah, l'attaque de zone, il fait mal quand même. Hein. Mais bon, les gros vaisseaux sont en train d'arriver à portée, j'ai l'impression. Et au moins pendant ce temps-là, il a été occupé avec les petits vaisseaux de merde. Donc ça nous convient très bien. En plus, on répare automatiquement. Ah, une autre frégate a été détruite. J'espère que des frégates, ça va. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Les vagues de missiles, boum, boum, boum. Voilà. Oh, yes. Joli. Magnifique. Croiseur a détruit gardien. Superbe. Victoire. Bon, du coup... Ah ouf. Oh mon dieu, j'ai perdu tout. J'ai perdu 12 frégates et 2 destroyers. Bon, bah, va falloir les reconstruire. Hein. Gardien d'Orion vaincu. Leur étude permet de développer des nouvelles technologies. Ah bon? Le rayon de la mort. Waouh. Générateur de trous noirs. Et blindage en xentronium. Oh yeah. Énorme. Ah oui, améliore-moi tout. Ça m'a donné quoi? Blindage. Nickel. Et des rayons de la mort en plus. C'est superbe. Bon, toi tu restes sur ce qu'on avait choisi à la base. Donc on va juste protéger du coup ici. Normalement j'ai un vaisseau de colonisation, mais je vais le construire tout de suite pour qu'il aille plus vite. J'aurais presque dû le faire il y a quelques tours ça. Et du coup je sais que j'ai pas mal de destroyers et de frégates qui sont en pleine production, donc je les renverrai sur cette flotte là. Oh, après cette flotte honnêtement j'ai pas spécialement besoin de la laisser là. Je pense que le mieux ce serait de la ramener à Faelis Prime. Comme ça je perds pas de temps. Ouais, parce qu'il y aura... Ça m'étonnerait, enfin j'espère en tout cas qu'il n'y a pas des pirates qui vont apparaître ici, ça m'arrangerait. Eh ben, ça fait plaisir, ça. Deux belles batailles en un tour. Trois belles batailles en un tour, même. Non, deux. Deux. Puis c'est sympa de finir la semaine là-dessus, du coup. Vu que c'est le dernier épisode de la semaine. Si mes calculs sont bons, du moins. Ouh, c'est la capitale, ça. Les Bulrati sont en train vraiment de cogner les Klakon, mais les Klakon ont aussi cogné les Bulrati il y a quelques tours. Mais ouais, ça a l'air pas trop mal. Bon, vous savez quoi? On va aller détruire le vaisseau de colonisation pour éviter qu'il nous échappe. Voilà. Et après, tu vas revenir là. Donc Madira Prime a grandi. Nickel. Altair Prime a grandi. Nickel. Algeba Prime. Ce serait peut-être pas mal d'aller sur la production de nourriture, même si t'as déjà un bon boost de base. Frère 2, parfait. Gnoll Prime. Ok, on va terraformer tout ça. Gigas Prime. Parfait. Punt Prime. J'aime bien, à chaque fois, c'est que des primes. Champignonnaire. Service de trésorerie, obligé.
Après, ici, on est à moins 46, donc on est large. Ça a pas mal d'augmenter la production, je pense, sur cette planète. Elle est un peu faible. Pourtant, on est à abondant, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de pop. Ouais. Et du coup, ce serait pas mal aussi d'augmenter la nourriture. Ensuite, le météo-contrôleur ici, ça va nous augmenter la nourriture, la croissance démographique, tout ça, tout ça. On a moins 59, donc on est large. Un petit centre de données et un astrolabe déjà, ça va augmenter notre recherche. Ensuite, l'holosim ici, 14 sur 19, nickel. Base de missiles, ici on est à 12 sur 15, donc on est large aussi. Usine automatisée, parfait. Ça serait pas mal d'avoir... Ah ouais, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Voilà, si tu me fais ces deux-là. Ensuite, l'usine d'enrichissement du sol. Parfait. Parfait. Les batteries orbitales sur Altair Prime. Franchement, j'en ai pas besoin. Je vais les annuler. Et parce qu'on est à 23 sur 25, on va plutôt aller vers... Je pense... vers plein de frégates. Réseau de sécurité interplanétaire, donc ici plein de destroyers. Un petit autolab vite fait quand même dans la foulée. On va le faire en deuxième, on va quand même faire les destroyers, ils iront dans la flotte qui vient de se faire un peu défourailler. Voilà, production de nourriture, 14 sur 21, ouais, il y en a bien besoin. Et un autolab dans la foulée, ça ira très bien. Bon, rien de grave. J'adore cette planète, elle me fait kiffer. Et phase 3, parfait. Donc on va juste déplacer nos flottes. Donc on a celle-ci qui attend et qui va nous coloniser Orion dans 5 tours. Waouh, c'est trop cool. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Vaisseau colonial avancé. Ah oui, ouais, j'hésitais à ce que j'allais faire avec lui. Petite terrine riche, on va aller là. Une belle planète en plus. Donc on va te coloniser ça. Oui, la nourriture c'est une bonne idée. On va enchaîner du coup avec les biosphères, services trésorerie, assistance gouvernementale, collisionneur neutronique. Ouais, il vaudrait mieux avoir plus de pop plus vite, je pense. Et du coup, cette usine spatiale, elle va venir construire ici. Voilà, parfait. Bon bah je vais vous laisser là pour cet épisode, du coup je vous dis, je pense à genre dans 2 semaines je crois pour la suite de ce let's play, hein, je vais aller jusqu'au bout hein, dans tous les cas, vous inquiétez pas, il nous reste 58 tours avant la fin, on a toujours les Terran qui sont premiers et assez loin quand même devant, par contre en termes de technologie on les a bien rattrapés, les Silicoïdes sont loin derrière, les Gnolams sont bientôt éteints eux aussi. Et par contre, ouais, putain, on est à 36%, 539 votes, on pourrait avoir la victoire diplomatique, honnêtement. Ouais. Regarde notre empire, plus 438, je pourrais même descendre à... Ah non, quand même pas, faut pas déconner. Voilà. Je veux bien que les gens soient heureux, mais on va voir d'ailleurs en termes de malheur. On a juste quelques planètes hein, qui sont pas très heureux, mais j'ai des assistances gouvernementales et des holosims dans la foulée, donc c'est parfait. Et juste un petit coup d'œil à l'arbre de technologie. Ah, on est bientôt à la fin. Hein. Ça augmente le score, d'accord, au bout d'un moment ça augmente juste le score en fait. Ok, bon, je vais vous laisser là pour cet épisode les amis. Juste voir mes officiers. Ils ont gagné un peu de niveau. Je crois qu'on a des bons amiraux quand même sur nos flottes. Juste que toi, vous êtes dans des croiseurs, c'est peut-être pas génialissime. Mais bon, j'ai peur que si je les réassigne, ça va prendre du temps. Bref, voilà. Merci à tous. Je vous souhaite... Enfin, juste, j'y pense. Un truc qui manque un peu, c'est que ces officiers, vous voyez, ils commencent avec un boost, là, voilà. Bonus juste au crédit, par exemple. Ça aurait été pas mal qu'à chaque niveau, on ait un choix. Alors, on a vu qu'on avait à des moments le choix. Alors lui, on a pu augmenter ses dégâts. Mais ça aurait été pas mal qu'il y ait un peu comme dans Endless Space, des mini-arbres de talent. Ça aurait été un petit peu mieux. Parce que là, du coup, genre le mec qui a plus 40 au bonheur, je comprends pas trop son intérêt, vous voyez.
Ou alors il faudrait pouvoir imposer au niveau max le système où il se trouve. Par exemple, je vais regarder quand même vite fait. Sur Fulen 3. Fulen c'est ici. Je peux juste changer les priorités, mais je peux pas changer le niveau d'imposition ici. Si j'avais pu mettre le niveau d'imposition beaucoup plus élevé, j'aurais un peu mieux compris l'intérêt de lui là. Mais en l'occurrence, je peux pas le faire. Un peu couillon. Voilà. Bref, allez, merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à très bientôt du coup pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !